Pierre Auberger dirige la communication du groupe Bouygues. Alors le groupe Bouygues, vous connaissez évidemment ses marques, à commencer par Bouygues Télécom, l'opérateur téléphonique, TF1, mais vous connaissez certainement également Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, qui sont parmi les trois grandes marques fondatrices de ce groupe. Durant sa jeunesse, Pierre aurait voulu être marin. Il en a gardé un côté capitaine, non pas de frégate, mais capitaine d'industrie et manager. Et croyez-moi, diriger la communication du groupe WIG est loin d'être simple. En premier lieu, il dirige une équipe de 25 personnes et anime également un réseau de 300 communicants partout en France et à travers le monde. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce nouvel épisode du décodeur de la communication est en compagnie d'un homme d'ultra haute qualité, un manager, un entrepreneur qui a baroudé, c'est le cas de le dire, tout d'abord dans le food, chez Danone, avant de travailler chez Sarali, et aujourd'hui, depuis presque 13 ans, à la tête de la communication du groupe Wig. Je vous laisse écouter cet épisode qui est une véritable masterclass sur les valeurs, sur le management, sur la créativité. Et à ce titre, j'espère que vous apprécierez en laissant un joli commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles et même motif, même punition sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et croyez-moi, j'ai pris un énorme plaisir à interviewer Pierre Auberger, directeur communication du groupe Bouygues. Très, très bonne écoute à toutes et à tous. Le décodeur de la communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Pierre. Salut Laurent. Comment ça va Je vais très bien, merci. Alors, merci à toi de m'accueillir au groupe Bouygues. C'est la classe absolue. Bon, écoutez, c'est la moindre des choses, chers amis. <laughs> merci beaucoup. Alors, le groupe Bouygues. Bouygues, on sait tous ce que c'est. On connaît Bouygues Télécom. On connaît Francis Bouygues et aujourd'hui Martin Bouygues, grande famille du business français. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter le groupe Bouygues dont tu es le directeur de la communication depuis bientôt 13 ans Alors, le groupe Bouygues est un groupe de services diversifiés qui est composé de cinq grands métiers. Bouygues Construction, bien connu, c'est le BTP. Bouygues Immobilier, le promoteur immobilier. Colas, les infrastructures routières et ferroviaires. Et tu l'as cité, Bouygues Télécom. Sans oublier TF1. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si tout va bien, puisque nous sommes en process en ce moment d'acquisition de euh, la filiale d'Engie qui s'appelle Equance, qui est une société de services multitechniques. Normalement, donc, on espère un closing de l'opération à l'été 2022. Euh, nous devrions faire un sixième métier du groupe, qui sera un métier autour des services multitechniques, qui fera de Bouygues le deuxième mondial dans ce domaine avec un peu plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires? La classe absolue. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. <laughs> On est bien d'accord. Bon, j'ai une question, une première question. Tu sors de l'ESSEC il y a quelques oui. années. Très belle école. C'est vrai. Tu fais ton service militaire, comme tous les jeunes vrai. à l'époque. Tu vas à Brest. C'est vrai. Sous-marin. Oui. Marine. Oui. Et je crois que tu es encore très attaché à la marine. C'est vrai. Il ah, faut que tu nous en dises plus ça, parce que là, deux mots, ça ne va pas le faire. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire? Alors, en fait, moi, j'ai une vocation contrariée d'officier de marine. Ça peut paraître euh, original ou étonnant. Euh, il se trouve que pendant euh, une longue, euh, une partie de mon adolescence, j'ai caressé ce projet de devenir officier de marine. Euh, il se trouvait que, que mon père euh, l'avait été. Euh, mais euh, pas, pas seulement pour cette raison-là. Euh, et en fait, euh, j'ai malheureusement une vue qui n'est pas extraordinaire. Et qui à l'époque les conditions d'entrée dans la marine étaient extrêmement strictes et il était difficile de faire une carrière d'abord d'être pris et de faire une carrière intéressante notamment de chef de quart, c'est-à-dire de, voilà d'avoir de, la, la, la conduite du, du bateau de jour comme de nuit qui mène à un commandement de bateau. Et donc finalement j'ai changé de fusil d'épaule si j'ose dire et j'ai choisi donc de faire des études de commerce donc de faire une prépa HEC, et ensuite euh, de, de rentrer à l'ESSEC. Alors, il se trouve que j'ai passé effectivement un an, tu l'as souligné, euh, comme aide de camp d'amiral euh, à Brest et à Paris, j'étais un petit peu entre les deux, comme donc aide de camp de l'amiral commandant les sous-marins nucléaires, ce qui était une expérience absolument extraordinaire dans ma vie. Euh, j'ai plongé sur des, ces monstres d'acier à, plus à plusieurs centaines de mètres de, de profondeur avec euh, une force nucléaire, donc c'est assez... Euh, Imposant. Donc j'ai touché du doigt le, le, le cœur de la dissuasion nucléaire à cette époque-là. Et puis euh, voilà, j'ai ensuite rejoint, on en parlera, euh, des entreprises privées. Et puis j'étais un petit peu rejoint par la patrouille, si j'ose dire, en 2016, euh, de façon assez fortuite. Il se trouve qu'on avait fait une grosse opération de mécénat de compétences euh, en 2007-2009 en restaurant l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Grande opération de mécénat. Plus de 7 millions d'euros. Et notre interlocuteur était la marine. Il se trouve que la personne en charge de cette opération chez Bouygues prenait sa retraite en 2016. Il organise un pot et de départ et il invite celui qui était son officier traitant et qui, entre-temps, était devenu amiral. Et je discute avec cet amiral. Et il me parle de la réserve citoyenne en me disant « Tiens, ça pourrait vous intéresser ». Et donc j'ai dit « Pourquoi pas Racontez-moi. Je ne savais pas que ça existait ». C'est une création assez récente, et donc je suis rentré dans la marine comme réserviste citoyen avec le grade de capitaine de frégate, donc qui est l'équivalent de lieutenant-colonel, pour euh, travailler euh, donc euh, auprès de l'état-major de la marine dans les sujets de rayonnement, de liens armée-nation, et puis euh, donc euh, pareil d'être un petit peu l'ambassadeur de la marine, c'est ce qui m'était demandé. Comme les, tous les réservistes citoyens. Et puis, by the way, de profiter de, de mon expérience pour aider les gens de l'état-major, si vous voulez, dans mes domaines d'expertise, notamment la communication, voilà, les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, je suis rentré depuis, donc, ça fait maintenant bientôt six ans. Et j'espère pouvoir continuer encore quelques années puisque je trouve ça extraordinaire. Comme je te comprends. Alors, on va parler maintenant d'un autre présent qui dure depuis bientôt 13 ans en tant que directeur de la communication du groupe Bouygues. Alors, tu as cité les marques, les bientôt six métiers. Qu'est-ce que c'est que ton quotidien Qu'est-ce que tu fais au quotidien Quelle est ton équipe Il faut que tu me le dises, parce que autant je peux le comprendre assez clairement dans les autres marques, Bouygues Télécom, Bouyguimo, Colas, etc. Mais diriger la com du groupe Bouygues, qu'est-ce que c'est concrètement C'est quoi le quotidien de, de Pierre Alors concrètement, euh, en fait, c'est réaliser trois missions. Principale. La première, c'est promouvoir et protéger les marques du groupe, les sociétés du groupe, les dirigeants, en termes de notamment de réputation, hein, de savoir-faire, et de construire l'image de, de marque en fait du groupe. Donc ça, c'est la première chose. Donc promouvoir et protéger dans la protection, il y a bien entendu toute la dimension de communication de crise, qui malheureusement dans un groupe aussi important que le nôtre arrive assez souvent, si tu n'entends pas trop parler, c'est que finalement on fait plutôt pas trop mal notre boulot, enfin en tout cas j'espère. Ça c'est la première mission. La deuxième mission c'est d'informer l'ensemble de nos parties prenantes. Euh, que sont les collaborateurs au premier rang euh, de, de ces parties prenantes, mais aussi euh, les journalistes, les influenceurs, euh, l'administration euh, et, et, et bien d'autres. Euh, voilà, et ça, ça se fait au, au, au moyen d'un certain nombre d'outils euh, qui sont euh, des outils, des réseaux sociaux, euh, des outils digitaux, des outils aussi de papier, documents euh, d'enregistrement unique, euh, rapports intégrés, etc., etc., euh, des magazines internes, des intranets. Enfin, on a toute une panoplie. Donc ça, c'est la deuxième euh, deuxième mission. Et la troisième mission, c'est euh, c'est la transversalité en fédérant les collaborateurs autour d'une culture forte ce qui nous caractérise on pourra en parler si ça t'intéresse de valeurs et de créer ce sentiment d'appartenance cette fierté d'appartenir au groupe Bouygues et c'est d'autant plus important qu'on est dans un groupe très diversifié c'est-à-dire que euh, entre euh, la journaliste euh, qui présente euh, euh, le 20h, euh, ou euh, un ingénieur qui travaille sur un pont ou un tunnel à Hong Kong, eh bien, euh, il doit y avoir des points communs, des valeurs communes, une façon de travailler commune, et puis une fierté d'appartenance. Et ça, c'est tout un travail, ce qui, est, ce qui, ce qui fait qu'on n'est pas un conglomérat. Nous, nous récusons ce vocable de conglomérat. Nous sommes un groupe de services diversifiés comme j'ai dit tout à l'heure et c'est ça qui fait toute la différence c'est cette culture ces valeurs on n'est pas un groupe financier on n'est pas uni autour de un reporting commun par exemple euh, on travaille sur des choses bien plus fondamentales que ça. Justement Pierre, je t'arrête un instant les valeurs de la maison, la culture de la maison parce que tu l'as dit très justement Anne-Claire Coudray, c'est pas nécessairement la même personne que l'ingénieur qui est à l'autre bout du monde en train de construire un pont ou qui est sur une route, hein, on va dire ça. C'est quoi les valeurs de la maison du groupe Bouygues alors, on a euh, quatre valeurs fondamentales qui, euh, en fait, sont un petit peu la matrice, si vous voulez, de l'ensemble de euh, ce qui structure le groupe en matière de culture, au premier rang desquelles le respect. Le respect, c'est se respecter soi-même, respecter ses collaborateurs, respecter ses hiérarchies, respecter ses clients, et c'est, en fait, la, la, la vertu cardinale, si vous voulez qui est vraiment absolument fondamental et donc euh, le, le respect c'est quelque chose bah, qui doit nous pousser notamment à être euh, toujours meilleur au service de nos clients meilleur que nos concurrents meilleur euh, aujourd'hui qu'hier meilleur demain qu'aujourd'hui euh, et d'être dans une dynamique de progrès donc ça c'est la première valeur le respect deuxième valeur c'est la confiance on est un groupe extrêmement euh, diversifié on l'a dit mais on est un groupe très décentralisé et pour que la décentralisation euh, puisse être efficace il faut faire confiance. Le, le patron qui est à l'autre bout du monde, il ne peut pas être sans arrêt en étant efficace en même temps, être derrière le dos de son collaborateur. Donc, il y a une certaine subsidiarité, une délégation, et on ne peut pas déléguer sans confiance. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et en fait, c'est d'autant plus facilité, si tu veux, que euh, beaucoup de gens font d'ailleurs toute leur, leur carrière dans le groupe. Et euh, les gens se connaissent, euh, ils ont fait la guerre ensemble, parfois, entre guillemets. Et ça, ça crée des liens extrêmement forts, des liens de confiance. Bon, mais tu sais comme moi que la confiance, ça met quand même du temps avant de se créer et ça peut se dilapider très rapidement. Donc, c'est un bien extrêmement précieux qu'il faut cultiver. Donc, deuxième valeur. Troisième valeur, c'est la créativité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes avant tout au service des clients. Et dans nos gènes, dans nos, notre ADN, nous avons ce, ce souci. De donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de la technologie, le meilleur du progrès au service de nos clients. Et ça, ça passe forcément par de la créativité, parce qu'il faut être différent de nos concurrents. Et donc, euh, apporter ce, ce, ce plus, si tu veux, que n'offrent pas les autres. Et donc, ça, ça nous, nous doit nous pousser à nous remettre en question, à innover en permanence. Et la quatrième valeur, c'est la transmission, puisque la transmission, c'est euh, en fait d'en transmettre à la fois d'abord son savoir-faire, son savoir, son savoir-être, euh, euh, et son expertise, et puis euh, c'est transmettre euh, les valeurs pour euh, bah, faire perdurer cette, euh, cette façon de vivre, cette façon de travailler qui nous est commune euh, à travers les à travers les années. Et chaque année, nous avons plusieurs milliers de gens qui rentrent dans le groupe. Il y en a qui partent. Beaucoup touchés par l'âge de la retraite, il y a un renouvellement. Il y a assez peu de turnover par rapport à d'autres entreprises. Le groupe Bouygues est encore un groupe où on peut faire toute sa carrière, et ça, c'est nous, nous considérons que c'est un atout. Mais eh bien, il faut transmettre à tous ces jeunes ou moins jeunes, et beaucoup de jeunes généralement, qui nous rejoignent. Donc, il faut qu'on leur donne cette transmission. Donc, pour euh, euh, résumer, respect, confiance, créativité, et puis euh, transmission. Tout ça, ça ressemble à des valeurs d'entrepreneur. Ce sont des valeurs d'entrepreneur parce que notre président, euh, Martin Bouygues, qui n'est que le deuxième président du groupe, euh, pour, sur ces 70 dernières années, donc, euh, puisqu'on a été euh, fondé il y a 70 ans par Francis Bouygues. Donc, lui, Martin Bouygues, c'est un entrepreneur dans l'âme. Francis Bouygues était, bien entendu, donc, est notre fondateur a créé en 52 le groupe Bouygues, enfin ce qui n'était pas le groupe Bouygues, ce qui était l'entreprise Francis Bouygues, qui est devenue Bouygues et Bouygues Construction, avait avant tout une âme d'entrepreneur. Donc nous, ça fait partie de nos gènes et euh, nous sommes des entrepreneurs, évidemment. Justement, toi qui vis aux côtés d'entrepreneurs, qui est proche de la direction, on est bien d'accord Oui. Comment est-ce que tu fais pour quelque part faire passer les messages. C'est loin d'être simple. Parfois, les dirigeants veulent aller très très vite, les directeurs de la communication ou directrices de la communication, parfois, doivent prendre le, le train. Comment, toi, tu te fais entendre Parce qu'avec des personnalités aussi fortes, il faut être soi-même un DIRCOM, avec du, du punch, de la personnalité, et puis il faut savoir, non pas taper du poing sur la table, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, savoir se faire entendre. Comment est-ce que tu fais, toi, Pierre, qui as de l'expérience alors je pense que d'abord, il faut acquérir une crédibilité qui repose sur plusieurs choses. D'abord, évidemment, mais c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, c'est avant tout le savoir-faire, la compétence. C'est-à-dire qu'on attend de moi d'être le sachant en matière de communication, donc capable de... De, de, de communiquer euh, soit vers l'extérieur soit en interne de façon efficace euh, et comme je l'ai dit et de d'accomplir les trois missions euh, dont j'ai parlé tout à l'heure et ça c'est absolument fondamental et chez Bouygues en toute humilité je pense qu'on peut dire que les, les le, le niveau d'expertise voire le niveau d'excellence est absolument euh, très élevé et donc euh, on attend de nous euh, d'être euh, d'excellents de, de, euh, collaborateurs et donc ça c'est ce que j'essaye de faire euh, tous les jours. Alors la deuxième chose c'est euh, euh, en fait la fiabilité bien entendu c'est-à-dire que on est dans, dans un groupe alors je suis directeur de la communication d'un groupe coté au CAC 40 et euh, quand on est coté au CAC 40 on a un certain nombre d'obligations légales on doit publier en temps et en heure des informations qui sont des informations financières. tous les trimestres, on doit communiquer sur des opérations de fusion et d'acquisition. on a un certain nombre d'opérations financières et on se doit d'être juste, d'être précis et d'être rigoureux. on communique les bons chiffres au bon moment, ni avant, ni après, etc., etc. donc, ça je crois que c'est important. Et la troisième chose, et je pense que c'est quelque chose que je, je recommande en tout cas aux, à la plupart des communicants, c'est de s'appuyer aussi sur une expertise business. Et c'est alors j'ai un parcours atypique puisque on en parlera peut-être, mais j'ai fait autre chose, j'ai une vie avant la communication puisque j'ai occupé des responsabilités de directeur marketing et même de, enfin, de tous les postes de marketing à l'époque dans des entreprises de grande consommation, notamment Danone. Et puis également des postes commerciaux donc et d'encadrement, donc de vendeur puis d'encadrement. Et ça, ça m'a donné une connaissance du business, euh, de la stratégie d'une entreprise. Et euh, de la, ça m'a donné la, la faculté de pouvoir en parler de façon euh, assez euh, fluide, euh, à la fois euh, au, en externe auprès des journalistes, des influenceurs, mais aussi évidemment en interne. Et donc ça, ça donne une crédibilité supplémentaire. Donc je crois que c'est ce qui fait un peu no, notre marque de fabrique. Euh, mais euh, encore une fois, je crois que c'est un, un job pour lequel il faut une certaine humilité, parce que euh, malgré euh, l'expérience, malgré la maturité d'une certaine façon, euh, il faut jamais baisser sa garde. Et euh, on n'est pas dans, la, dans de la science, on est dans l'art plutôt, et donc euh, c'est pas une science exacte, bien entendu. Il faut faire attention aux recettes euh, dupliquées, euh, ce qui a été vrai à un moment ne l'est plus aujourd'hui, et donc il faut s'adapter en permanence. Donc euh, il faut avoir une énorme euh, agilité, flexibilité, capacité de remise en question et une très grande disponibilité évidemment puisque bah, le quotidien d'un directeur de la communication il est souvent chamboulé par l'actualité. Il faut pouvoir euh, réagir très vite, euh, y compris euh, tard le soir ou tôt le matin et le week-end pour euh, gérer euh, des crises, gérer des demandes d'information euh, et puis également et je terminerai euh, là-dessus. Euh, on insiste souvent assez peu sur ce point, mais je pense qu'il y a une dimension de management qui est extrêmement euh, importante, puisque les directeurs de la communication euh, gèrent des équipes, alors petites, moyennes ou grandes, moi j'aurais tendance à dire que j'ai 25 euh, collaboratrices et collaborateurs, mais en, en direct, j'ai euh, l'animation d'une équipe euh, d'environ 350 euh, communicants dans le groupe qui avec qui j'ai des relations fonctionnelles mais dont je suis le chef d'orchestre en fait eh bien euh, il faut animer ces euh, équipes euh, leur donner du sens et faire en sorte qu'elles exécutent plutôt une symphonie qu'une cacophonie, c'est-à-dire que le directeur de la communication de TF1 ou de Bouygues Construction euh, bah, fasse parler son patron au bon moment avec les bons messages et en toute transparence avec la maison mère, puisque ça impacte bien entendu là que euh, le cours de bourse et la réputation. Comment ça se passe avec les directeurs de la communication des autres très grandes marques? Parce que par moment, il peut y avoir une certaine cacophonie. Nous sommes des êtres humains. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a parfois des conflits d'ego Pas du tout. Alors, de mon point de vue, ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire que il euh, y a de leur part la compréhension de, des enjeux. C'est-à-dire que la prise de parole d'un euh, cadre dirigeant de, de, de filiale, ce qu'on appelle un métier chez Bouygues, a bien entendu un impact sur euh, la réputation de l'entreprise et le cours de bourse. Donc eux-mêmes doivent se comporter comme s'ils étaient des sociétés cotées. D'ailleurs, pour deux d'entre elles, elles le sont, puisque TF1 est coté, et Colas est coté, même si le flottant est assez faible. Mais en tout cas, elles ont ces obligations-là. Et donc, euh, je, je pense que ce souci est extrêmement partagé. Ils ont compris les règles du jeu, donc ça se fait finalement de façon extrêmement fluide au quotidien. Nous parlons euh, généralement euh, toutes les semaines ensemble, nous nous réunissons, nous partageons euh, nos bonnes pratiques. Euh, ils me soumettent un certain nombre de, de propositions, euh, de prises de parole, de communiqués de presse. On en discute ensemble et je n'ai jamais eu d'exemples de, de cacophonie, justement, comme tu pouvais le, 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 le sous-entendre, ou de, de problèmes d'ego. Je pense que tout le monde est responsable et chez Bouygues, les, les collaboratrices et les collaborateurs sont, sont très responsables et respectueux de ce, de, de, de la primauté, dans ces cas-là, de bah, de l'intérêt commun, entre guillemets, qui est notre réputation et notre corps de bourse. C'est qui, Pierre le manager C'est quoi tes méthodes de management alors Pierre le manager, euh, c'est quelqu'un d'exigeant de, dans l'exécution, dans euh, euh, le savoir-être, dans euh, la fiabilité, le rendez-vous euh, euh, par rapport aux objectifs, dans le, le comportement, euh, et qui essaie de donner du sens à ses collaboratrices et collaborateurs, parce que je pense que euh, quand on sait où on va, on est plus performant et on essaie donc de partager tous ensemble à nos, euh, nos nos plans de communication et, et l'idée c'est que tous mes collaborateurs euh, ici chez Bouygues doivent savoir exactement ce que fait le petit camarade où on va collectivement donc et on a des réunions assez fréquentes donc ça c'est le premier point c'est l'exigence le deuxième c'est la bienveillance alors ça c'est aujourd'hui un peu tarte à la crème mais je pense que je pratique depuis euh, Longtemps, ce mode de management qui est un petit peu, qui doit être équilibré, qui est parfois un petit peu en tension, c'est que on ne peut, de mon point de vue, être exigeant que si on est, on est bienveillant à côté, parce que bienveillance, c'est en fait euh, donner l'assurance que si les règles du jeu sont bien comprises, il euh, y a aussi un droit à l'erreur. Hein. Euh, on parlait, tu disais tout à l'heure que Bouygues est un groupe d'entrepreneurs. C'est la vérité. Ce que dit très souvent Martin Bouygues, c'est bah oui. Euh, vous êtes des entrepreneurs. Vous avez le droit à l'erreur. En revanche, ce qu'il ne faut pas, c'est d'une part de cacher ces erreurs, c'est d'autre part de les, euh, les, les, les les faire porter par ses petits camarades. Et puis, euh, il faut par ailleurs euh, le, les les dénoncer rapidement. Et puis, il faut enfin, dénoncer les erreurs rapidement et, et, et plutôt que de les mettre sous le tapis. Et par ailleurs, il faut également euh, pouvoir les corriger. Et en tirer les conséquences. On n'a pas le droit de refaire deux fois la même la même bêtise. Bon. Donc ça c'est important. Et pour mes collaborateurs c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils savent que euh, ils, voilà j'attends des choses euh, euh, bien faites de leur part. Hein. Ça c'est quelque chose d'important, mais c'est dans notre code ADN Bouygues. Hein. Donc euh, ça il n'y a pas de mystère. Mais euh, ils doivent compter sur aussi performant de mon point de vue que quand on est motivé, content de rejoindre ses collègues, son patron. Et donc ça c'est un équilibre quotidien auquel il faut veiller et qui passe bah, par une certaine convivialité. Mais convivialité c'est pas non plus le copinage. Donc tu vois il y a, y a un, un équilibre à trouver, une tension permanente entre ces, ces deux points. Donc voilà mon mode de management. Tu sais quoi ça me fait penser ça me fait penser à l'armée. J'ai fait l'armée, j'ai énormément apprécié. On fait des métiers qui sont de prime abord toi et moi dans la communication très très loin de la rigueur. Mais le groupe Bouygues c'est un groupe de extrêmement rigoureux ça commence par francis bouygues c'est vrai un dieu vivant du business en france qui euh, monte sa boîte de btp et aujourd'hui c'est ce magnifique groupe international et on ne peut pas monter quelque chose d'aussi grand et aussi fort sans avoir à un moment ou à un autre cette rigueur quelque part militaire et je la retrouve en toi et j'en suis extrêmement heureux alors ça va faire peur à nos plus jeunes auditeurs et nos plus jeunes auditrices parce que l'armée on ne sait pas trop ce que c'est surtout ces temps-ci malheureusement l'actualité n'est pas très pas très rose mais je crois que tu nous montres et même j'en suis certain Pierre qu'il faut savoir à un moment être entre guillemets carré et en même temps créatif comme tu le disais alors je partage tout à fait cette opinion ce qui peut paraître d'ailleurs euh, contradictoire hein, mais euh, il faut savoir être les deux on doit être euh très rigoureux dans la mesure, notamment dans la communication corporelle, tout simplement parce qu'on doit délivrer, je l'ai dit tout à l'heure, des messages qui sont des messages fiables, documentés, avec des faits, des chiffres, euh, et on, a, on, on les doit euh, au marché à une date donnée, à une heure donnée. Je sais que je dois, par exemple, communiquer euh, mes euh, résultats trimestriels à 7h30 euh, tel jour. Euh, « Eh bien, je ne vais pas le faire le surlendemain parce que je ne suis pas prêt. » Et puis, euh, non pas à 7h30, mais à 9h ou à 10h. Ça n'est pas possible. On a des engagements. Et en fait, c'est également une responsabilité pénale. Ça, il faut le savoir quand même. Quand vous communiquez des informations au marché, vous ne pouvez pas publier n'importe quoi, des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. Donc, euh, il est absolument fondamental d'avoir cette rigueur. Bon, pour autant... Bien entendu, il faut apprendre à se réinventer. Il faut avoir des nouvelles idées de communication, comment toucher telle ou telle cible différemment. Sur les réseaux sociaux, j'ai passé mon temps à me réinventer. Je suis arrivé donc en 2009. J'étais en doublon avec l'ancienne directrice de la communication. Et en fait, à cette époque-là, par exemple, en matière de relations presse, j'avais des attachés de presse, comme on les appelait à l'époque, qui faisaient qui consacraient 80% de leur temps euh, aux relations avec la presse et 20% au digital avec euh, le community management du site euh, Bouygues.com. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est 80% de digital, de réseaux sociaux. On a mis en place, par exemple, une politique d'employés et de avec des ambassadeurs euh, dans le groupe qui euh, parle de Bouygues sur des réseaux sociaux grâce à une plateforme euh, qui est une plateforme sociable euh, qui est qui est très performante tout ça c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on a, euh, on a, on qu on a on a sait qu'on on n'a pas inventé mais en tout cas on a on a on a testé on a regardé si ça marchait du du, du learning by doing comme on dit ou du test and learn et en fait, euh, on a on a fait euh, on, a, on a on a essayé de se remettre en question. Et donc, j'ai fait aussi euh, évoluer mes mon organisations en fonction pour mieux coller à cette euh, à cette nouvelle donne euh, des médias. On peut plus exercer aujourd'hui ce métier de communicant comme on l'exerçait il y a 10 ans ou 15 ans. C'est pas possible. Alors justement, on va parler de ton parcours, qui est assez intéressant. Après l'armée, après Brest, tu rentres dans le groupe Danone, encore un groupe d'entrepreneurs. Hein. C'est vrai. Tu fais du food pendant plusieurs années, tu bouges un petit peu, tu n'es pas qu'à Paris, tu vas à Lille, à Lyon À Lyon aussi Forcément, hein, culture capitale pardon, j'en bafouille de la gastronomie en France. Comment ça s'est passé Parce que tu as fait du marketing auparavant, tu as fait aussi du commerce. Ça te donne cette crédibilité business justement, tu en parlais dans le groupe. Qu'est-ce que tu as en retires de cette expérience formidable dans ces magnifiques groupes j'ai une première partie de ma carrière, tu le soulignes, dans les produits de grande consommation avec donc Danone et Sarali. Et je considère que c'est une période absolument clé dont je garde un excellent souvenir. Alors pour être très honnête, on m'aurait dit quand j'avais 23 ans qu'un jour je serais directeur de la communication d'un grand groupe du CAC 40. J'aurais ouvert des yeux et berluer. À l'époque, j'avais un projet qui était beaucoup plus, euh, je court terme. C'était tout simplement de rentrer dans une entreprise connue pour son savoir-faire en marketing, qui était Danone. À l'époque, on rentrait chez Danone, L'Oréal, Procter, surtout dans la grande conso. Et euh, on, on apprenait euh, quelques années, et beaucoup de gens après allaient voir ailleurs, dans, même dans d'autres secteurs. Certains sont d'ailleurs allés voir la téléphonie mobile quand ça a démarré, etc. Et on exportait un peu son savoir-faire de, de food de grandes conso ailleurs. Bon, il se trouve que je suis resté 14 ans chez Danone parce que ça marchait très bien et qu'on m'a proposé tous les 2-3 ans des progressions de carrière, de poste, euh, voilà. Et je suis sorti finalement de Danone un peu malgré moi, puisque ma société était été revendue. Euh, et en fait, il euh, y avait une clause qui nous interdisait de revenir pendant plusieurs années euh, dans le groupe. On a été le comité de direction de ma filiale avait été euh, revendu avec les meubles, si j'ose dire. Et donc, euh, moi, mon souhait c'était de prendre une direction générale de, de filiale plutôt à l'étranger. Et donc, ça, ces projets ont été contrecarrés. Et donc, je suis resté quelques mois dans dans, dans la société. Il se trouve qu'un chasseur de tête qui m'a qui m'a appelé, qui m'a proposé de, jouer, de de rejoindre Sarali, qui était un groupe américain. J'ai dit Banco, c'est intéressant d'avoir un groupe euh, anglo-saxon euh, après un groupe français. Je vais y apprendre des choses. J'y suis resté trois ans. Après, j'ai passé trois ans. Et là, j'ai quitté en fait la grande conso pour rejoindre les services et je suis rentré dans un grand groupe euh, anglo-saxon de restauration collective qui est Compass Group. Et donc, euh, au début, pour y faire du marketing, et là, j'ai aussi découvert la communication euh, corporate. Ce qui m'a plu, et j'ai eu l'opportunité de rentrer, euh, donc en 2004, chez euh, Bouygues Immobilier pour créer la fonction communication. Que l'entreprise le, le, était en en pleine euh, réorganisation. Euh, euh, avec des différentes fusions, etc. Et donc, le poste directeur de la communication, bizarrement, n'était pas, n'existait pas vraiment. Et après, on m'a confié, donc, la direction marketing et puis la création de la direction marketing et la création de la direction, euh, à l'époque, développement durable. Donc, j'avais ce triptyque. Mais voilà. Alors, je que c'est plutôt, euh, alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que ça m'a apporté énormément de choses d'avoir fait du marketing dans des, des business extrêmement exigeant, parce que le, le food, les, les produits en consommation, c'est des produits avec une certaine banalité, et c'est très difficile de se, se démarquer, d'être compétitif, d'avoir un, un avantage compétitif. La notion de marque est extrêmement importante, donc j'ai travaillé dans un univers extrêmement exigeant, avec des gens extrêmement performants. Et je trouve que les, 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 tous mes collègues de Danone ou patrons, patronnes que que, que j'ai côtoyés à l'époque étaient des gens absolument remarquables, très brillants, et j'ai beaucoup appris grâce à eux. Et puis j'ai appris le management, figure-toi, puisque j'étais euh, en tant que commercial et, et notamment euh, dirigeant de, de force de vente, j'ai appris à diriger à distance d'ailleurs des chefs de vente et des des représentants, des commerciaux. Qui étaient des assez éloignées de moi euh, géographiquement, et euh, c'est là que j'ai appris à recruter, à former, à manager, euh, euh, voire malheureusement à sanctionner quand c'était euh, nécessaire. Mais mon. Je pense qu'on apprend beaucoup plus dans ce type de, de formation, de, de fonction, pardon. Car euh, on est confronté vraiment au quotidien à, à l'hyper euh, donc au terrain et, et, et vraiment à quelque chose d'hyper opérationnel avec euh, un objectif très précis et très challenging à, à atteindre avec euh, une demande extrêmement forte de la grande distribution française et Dieu sait si ils sont euh, exigeants et euh, extrêmement euh, extrêmement euh, donc euh, ça ça c'est là que j'ai vraiment appris à manager des équipes euh, assez importante et ça ça m'a servi énormément euh, ça continue de me servir donc dans mon management au quotidien et puis euh, j'ai appris euh, sur euh, bah, la stratégie de l'entreprise euh, le euh, la gestion financière etc pour pouvoir en parler et avoir cette crédibilité tant en interne qu'en externe ok donc maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression d'avoir un entrepreneur face à moi c'est très gentil de ta part J'en suis un depuis 12 ans et je les aime tellement, mais je le sais aussi les reconnaître. Ce qui ne veut pas dire que les DIRCOM ne sont pas entrepreneurs, on les forcément, sont des managers, mais je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression depuis le début. Ok, c'est extrêmement clair. On va parler d'un sujet, puis après je vais te laisser parce que tu as évidemment beaucoup d'obligations. La RSE. Ça ne peut pas être du pipeau ni du greenwashing chez toi. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est très concrètement? Parce qu'il y a énormément de métiers, bientôt un sixième. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots Oui, alors la RSE c'est quelque chose qu'on a qui nous tient à cœur euh, chez Bouygues depuis euh, 2005 environ. Donc Martin Bouygues avait euh, initié cette euh, stratégie RSE avec la d'abord la création d'un poste de directeur de développement durable et euh, on a commencé à l'initier surtout d'ailleurs dans nos métiers de la construction. Aujourd'hui, euh, c'est plusieurs choses, la RSE c'est avant tout euh, une stratégie climat qui vise euh, à nous décarboner. Donc nous avons pris des engagements vis-à-vis -vis de nos parties prenantes de diminuer euh, notre empreinte carbone euh, d'ici 2030, entre euh, 30 et 50% selon nos, nos métiers, hein, par rapport à, à 2020. Euh, et donc euh, nous sommes engagés sur cette euh, trajectoire. Et donc euh, c'est deux choses, c'est d'une part proposer des services et des produits à nos clients qui sont moins carbonés, moins, moins polluants. Euh, c'est des bitumes qui sont plus vertueux, basse température, tiède, etc. Et par exemple, la base de produits végétaux, euh, bon, ça c'est quelque chose de très important. C'est des bâtiments en bois plutôt que de bâtiments en béton. Euh, c'est des flottes de véhicules qui passent à l'électrique ou à l'hybride. Euh, etc etc' donc là on est extrêmement euh, vigilant on est très engagé sur ce point de vue, sur ce sujet là puisque euh, nous pensons que c'est absolument clé on a on a géré une responsabilité collective vis-à-vis euh, -vis de la planète et c'est très important donc ça c'est un premier sujet et on a un deuxième sujet qui monte en puissance c'est la biodiversité euh, puisque qui est d'ailleurs lié aussi au, au climat mais c'est lutter contre l'artificialisation des sols c'est préserver un certain nombre de de, de, de lieux, d'espèces, euh, c'est reconvertir des carrières par exemple qui étaient de cailloux qui étaient euh, exploités par euh, colas euh, et puis qui deviennent de, de, de nouveaux écosystèmes euh, vertueux et donc euh, voilà ça c'est des exemples euh, et qui euh, nous structurent euh, énormément et qui font l'objet d'un reporting euh, extra financier qui est lui-même euh, euh, audité par euh, des euh, par des entreprises par des consultants et c'est donc en l'espèce le, c'est EY qui le fait pour nous qui nous qui nous audite et euh, donc ce sont des chiffres qui doivent être vérifiés qu'on communique au marché et c'est absolument majeur et c'est aussi des sont des conditions pour nous permettre de rentrer dans des indices euh, CSR comme on dit euh, ESG pour donc environnement sociétaux et, et gouvernance qui nous permettent voilà de, de, de figurer dans les, les bons indices qui voilà réunissent un certain nombre de d'entreprises de, et de d'actions de qui sont vertueuses et qui sont recommandées à l'achat par les, les 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 analystes Pierre j'ai une dernière question pour toi en fait j'en ai deux dernières la première quel conseil, justement, fort de toute cette très belle expérience? Dans le food, la grande conso, comme tu dis. Dans l'immobilier, aujourd'hui, à la tête de la communication du groupe. Donc, je le rappelle, une équipe de 25 personnes, directement. animer un réseau de 350 communicantes et communicants. C'est énorme, très clairement, mais c'est normal, c'est à la taille du groupe. Quel conseil tu donnes, justement, à un gamin, à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital? Alors moi je pense qu'il euh, faut euh, avoir d'abord une appétence extrêmement forte sur euh, euh, les, les valeurs d'une marque, les résultats d'une entreprise, des produits, etc. Donc ça c'est extrêmement important. Et donc il faut aimer l'information, il faut aimer euh, s'informer euh, par tous les moyens possibles. Euh, euh, et ça, c'est extrêmement et, et, et comprendre l'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois, je pense qu'il faut, mais ça paraît évident pour tous les jeunes, vraiment être très très à l'aise dans le digital. Et ça, alors, c'est pour les digital natives, c'est un, un, effectivement un truisme. Mais euh, pour les plus âgés, c'est pas toujours aussi facile. Donc moi, je me suis complètement euh, mis dedans parce que je considéré que c'était absolument clé. Et j'ai souvent tendance euh, à dire que euh, un communicant non digitalisé est un, est un communicant ubérisé. Et et donc c'est absolument important. Alors, ça c'est les, les deux choses vraiment très importantes et donc il faut qu'il euh, qu rentre dans une société euh, où il va pouvoir se former le communicant, euh, avoir des gens qui vont lui faire confiance, qui vont lui permettre de de toucher ne toucher pardon, à différents euh, à différentes parties de la communication. Euh, et notamment la communication euh, alors je considère moi que la communication externe est, est souvent euh, la plus délicate parce que comme disait l'autre euh, la communication c'est euh, je crois que c'est Jacques Pilan qui disait ça qui était un consultant de qui est un, invent, un des inventeurs de la communication politique en France qui est conseiller euh, Mitterrand puis Chirac et qui disait que la communication quand c'est bien fait c'est comme la chirurgie esthétique ça se voit pas et donc c'est un peu comme ça et mais mais quand ça quand c'est mal fait en revanche ça se voit énormément et donc euh, ça pose problème. Donc je crois que c'est extrêmement important d'être de, de, familier de ces sujets de communication euh, de communication externe. Donc euh, simplement, euh, voilà, il n'y a pas que la communication externe, il y a évidemment euh, d'autres pans. C'est bien d'avoir, si on peut, un parcours assez complet et éclectique avoir fait de la communication externe, de la communication interne, de la production de contenu, enfin du, du brand content, etc., ce qui paraît euh, absolument euh, important, et d'avoir donc une, une un background assez conséquent pour pouvoir euh, être crédible et euh, être un petit peu tout terrain, parce que c'est ce que nous demandent finalement nos patrons. Hein, donc ça, c'est important. Et puis, euh, il faut se remettre en question, il faut... Euh, il faut apprendre en permanence, rester ouvert aux différentes nouvelles techniques, euh, voilà, et les sujets de la raison d'être, de savoir de tout, 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 tout ce dont on a besoin pour être un bon communicant. Et donc, on peut évidemment pas se reposer sur sur ses lauriers. Donc, c'est une dynamique de de progrès permanente, de réinvention et de voilà et de et de et de, et de formation continue, si j'ose dire, tout au long de sa carrière. Donc, ça, c'est vraiment important. Et euh, je pense que euh, idéalement ce que l'idée mais ça ne touche pas que les communicants, c'est je dirais là aux jeunes essayez de choisir votre patronne ou votre patron parce que c'est d'ailleurs plus la probabilité que ce soit une patronne est plus, plus importante d'ailleurs dans la communication puisqu'il y a une majorité de femmes et c'est d'ailleurs très heureux. Mais euh, il faut essayer de, voilà de trouver des gens qui vont être euh, avoir cette exigence et cette bienveillance, pour vous former, vous apprendre des choses et vous faire grandir de façon euh, assez euh, permanente. Et je donnerai comme dernier conseil, surtout, ne vous encroûtez pas dans un poste, surtout quand vous êtes jeune, euh, changez, demandez à changer, à, voilà, à passer euh, du digital à la, comme interne à l'événementiel, etc., pour euh, vous remettre en question et euh, vous remotiver et euh, enrichir ainsi votre parcours. Dernière question. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'es pas dire comme Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, si tu en as un peu Alors, qu'est-ce que je fais euh, de mon temps libre Plein de choses. Je, alors, j'ai un certain nombre de d'engagements euh, associatifs ou euh, citoyens, et dans les engagements citoyens, j'ai cité tout à l'heure euh, la Marine, puisque je suis euh, officier de la réserve citoyenne. Euh, j'ai un certain nombre d'engagements euh, euh, sociétaux, humanitaires, donc euh, dans un certain nombre de de conseil d'administration d'ONG d'associations je suis aussi euh, donc administrateur de ESSEC Alumni Là, tu l'as dit euh, euh, tout à l'heure je fais du sport donc, je pense que ça, c'est très important. Il faut avoir un équilibre de vie. Je pense que euh, on a besoin, on travaille beaucoup euh, dans, dans ces euh, jobs-là, et il faut avoir une hygiène de vie, un équilibre de vie. Ça, ça passe beaucoup par le sport. Donc, il se trouve que moi, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien euh, euh, nager, par exemple, euh, faire du bateau. Donc, ça, c'est des choses donc, de, des sports de, de plein air. Je, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la géopolitique aussi. C'est deux, deux centres d'intérêt euh, importants. Et puis euh, j'ai une vie de famille. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir, euh, même si elles sont grandes maintenant, quatre filles. Je suis marié, j'ai quatre filles, et donc euh, bah, voilà, ça, tout ça, ça me, ça fait une vie bien remplie. Écoute, merci Pierre. Merci Laurent. On ne se connaissait pas. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi. J'ai retrouvé des choses qui me rappellent mon passé, et c'est Extrêmement plaisant. Alors je te fais une proposition. Fermez direct. Tu es le bienvenu pour revenir, pour discuter sur plein de sujets de la communication. Avec plaisir, en tout cas. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Donc merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. À bientôt, j'espère. Merci à toi. Chers auditrices, chers auditeurs, quand on a des gens aussi formidables que Pierre, qu'est-ce qu'on fait ben On met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify, on laisse toujours sur Apple. Toujours Jean Bafouille sur Apple Podcast, un magnifique commentaire dithyrambique en disant Pierre, tu es formidable ou Laurent, tu es formidable. Oui, après tout, pourquoi pas. En tout cas, ce fut un véritable plaisir. Je te remercie encore une fois, Pierre. Merci, Laurent. Ciao, ciao. Ciao, ciao.